Alors, tout ce qui se passe à partir de notre main est enregistré. Donc, moi, j'ai une caméra qui me filme et l'enregistrement de ma voix aussi se fait. Ce qui fait que pour les gens qui connaissent ma page web de prof à Faculté des sciences infirmières, bien, ça va être une conférence web qui va être là aussi. Les gens qui n'auront pas pu assister, ils vont dire « Qu'est-ce qu'il avait dit, lui, exactement? J'ai entendu parler de ça. » Bien, ça va être accessible de cette manière-là. Donc, les technologies au service de la diffusion des connaissances et des enjeux de la profession. Alors oui, ça peut être trop long, hein. C'est juste Félix Saint-Python, c'est avec Camtasia, c'est un très bon logiciel qui permet de faire ça. Il reste de la place ici en avant, les gens en arrière, là, pour que vous soyez confortables, on est beau le matin. Là. Pour ma chance d'avoir le temps de prendre du café, moi je n'ai pas eu le temps. Ma planification a été ratée. Je pensais d'avoir le temps, mais les ascenseurs au yacht, disons que ça descendait pas, puis là je commençais à éliminer tout ce que je pouvais faire. Alors, ben c'est ça, je vous souhaite vraiment la bienvenue à cette conférence, cet atelier sur plaidoyer, vraiment pour la valorisation du jugement clinique infirmier dans la profession infirmière. Mon nom, c'est Philippe Boyer, donc je suis professeur à la Faculté des sciences infirmières à l'Université Laval, à laquelle je m'occupe de tout le secteur vieillissement, que ce soit au baccalauréat ou à la maîtrise. Et je suis également chercheur, responsable du volet enseignement au Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec. Et mes différents projets de recherche portent sur le délirium, sur les troubles du comportement chez la clientèle âgée, la dépendance aux benzodiazépines. Fait qu'en fait, ce que je vais vous parler un peu aujourd'hui, les gens qui me connaissent, peut-être qu'ils se posent la question d'ailleurs, quand si vous avez regardé les objectifs d'apprentissage, j'avais vu que je vais vous parler de l'échelle de Braden, entre autres, et de l'échelle des risques de chute. Et c'est pas quelque chose que je fais habituellement, ça démarre vraiment des activités de la communauté de pratique. C'est un peu un témoignage de nos travaux en cours de route, et vous allez comprendre cette histoire-là. Je parlais de la page web tantôt, en fait, vous avez l'adresse ici. Si vous écrivez mon nom dans Google, le premier sort, c'est ma page web. C'est ici, là, les capsules web, plus bas, il y a les conférences web, parce qu'elles sont plus longues. Alors, c'est tous des documents qui sont accessibles. Moi, de toute façon, c'est du matériel que je peux utiliser par la suite avec mes étudiants à la maîtrise. Alors, voilà pour la présentation. Les conflits d'intérêts, alors, je ne pense pas en avoir en lien avec le contenu de la présentation d'aujourd'hui, mais tout à coup que vous avez mon discours, vous achetez mon livre, bien là, je me dis, ah, ça, c'est un conflit d'intérêts. Alors, j'ai posé différents volumes qui touchent aux soins aînés, alors il est important de faire la déclaration des conflits d'intérêts dès le début de la présentation. Alors, le but de cet atelier-là, c'est vraiment de vous raconter une petite histoire parsemée de surprises et qui nous a amené à un cheminement et un endroit qu'on ne s'y attendait pas vraiment. L'introduction de ce projet-là, pour vous dire, ça vient vraiment de la communauté de pratique. Il y a 5 ans, à l'Université Laval, j'ai créé la communauté de pratique pour les soins infirmiers en centre d'hébergement avec des regroupements de conseillères des CSS aux alentours de la Faculté des sciences infirmières. Donc, nous, on avait un but qui était d'harmoniser un peu les pratiques qu'on enseignait versus ce qui se passe durant les stages avec nos étudiants. Puis, en même temps, c'était de faire avancer la pratique infirmière dans les centres d'hébergement. Alors, au début, on avait un agenda, puis on avait beaucoup d'idées, puis on manquait de temps. Mais avec les cours des dernières années, la manière qu'on fonctionne, c'est un peu différent. C'est qu'en début de septembre, on identifie toujours quelle va être notre priorité pour cette année pour travailler au courant de l'année sur une problématique particulière qui nous touche. Donc, vous avez ici tous les membres, mais vous avez le document PowerPoint, vous allez pouvoir aussi avoir le document sur le site web. Je ne passerai pas en revue tous les membres de cette communauté de pratique-là, puis aussi il y a une liste d'invités que vous allez comprendre tantôt, ce sont des acteurs clés que nous avons sollicités leur collaboration compte tenu de l'importance des enjeux qu'on a observés dans le cours de nos travaux. Et j'avais une étudiante également qui nous soutenait dans nos activités. Donc, en septembre 2011, comme d'habitude, on s'assoit ensemble à la communauté de pratique. Donc, en septembre 2011, c'est vous avez les résultats de ce qu'on a fait au cours de la dernière année. Et on se dit, bon, ben, quelles sont les problématiques que vous avez dans votre milieu, puis comment on peut justement faire avancer la pratique infirmière. Alors, ça peut prendre le pouls de ce qui se passe, et les conseillères, évidemment, qui sont dans les milieux, ont une bonne idée. Alors, qu'est-ce qui sort de façon assez unanime et partagée parmi les conseillères autour de la table, c'est vraiment que les infirmières de leur milieu, dans le fond, ils posent beaucoup de questions sur l'utilisation des échelles de mesure. Pourquoi compléter ces outils-là? Elles s'expriment comme ça ne donne rien, la qualité des soins n'est pas améliorée par l'implantation de ces recommandations, la bureaucratie s'alourdit
un outil qu'elles n'ont plus le temps de compléter les outils. On les remplit et on passe à l'autre. C'est comme de nous vraiment de la paperasse de cette manière-là. Des infirmières qui me disent dans les yeux, là, puis j'en m'en souviens d'infirmières particulièrement, qui disent, puis il est où le jugement clinique aujourd'hui? Il faut que je fasse ça. Une personne qui est en perte d'autonomie, alitée, qui je peux aller le patient, mais il faut que je fasse une échelle de risque de chute. Il est où mon jugement clinique? Alors, on est parti de cet irritant-là que les infirmières ont. Puis là, on a dit, bon, on va examiner. Okay? On va examiner s'il y a des appuis par rapport à leur préoccupation sur cet enjeu-là. Donc, c'est pour ça que je parle d'échelle de Braden et d'échelle de chute aujourd'hui, parce que moi, je n'aurais pas été amené dans cette direction-là. Alors, il faut savoir que le cadre de l'utilisation de ces outils-là, en fait, pourquoi les usages dans le milieu, c'est, premièrement, il y a les lignes directrices. Chaque organisation crée des lignes directrices de pratique clinique. L'association, je ne sais pas, moi, des infirmières de l'Ontario, produit des lignes directrices sur l'utilisation des pressions, etc. Et au niveau des plaies et au niveau de risque de chute, ben, il y a des associations particulières par rapport à ça. Ces lignes directrices-là sont par la suite reprises par des organismes régulateurs. Ils disent, écoutez, ça, c'est les bonnes pratiques. Donc, on va mettre ces pratiques obligatoires-là dans une perspective d'améliorer la qualité des soins dans les milieux. Okay? Donc, tout basé sur la bonne intention dès le départ, et c'est même qu'on en arrive avec des pratiques obligatoires. Alors, l'objectif de cette conférence-là, en fait, c'est de vous raconter un peu cette histoire-là. En ayant comme toile de fond, je vous dirais l'importance des données probantes dans la pratique infirmière. Vous allez voir, on va parler beaucoup de ça. Et la place du jugement clinique aussi dans notre profession, dans notre pratique au quotidien. Et vous communiquer certaines grandes surprises qu'on a eues. Puis c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, parce que sinon, vous allez voir une petite prise de position. On met ça dans notre section, comme d'autres pratiques dans la page web, on passe à autre chose. Et compte tenu de l'importance des résultats qu'on a observés, on était très préoccupés, puis on a dit non, il faut aller communiquer ça à la communauté des infirmières et infirmiers du Québec pour que vraiment, peut-être qu'il y ait des changements ou que le dossier continue à avancer. Donc, la méthodologie, comment on fonctionne dans la communauté de pratique, en fait, on travaille toujours sur deux plans. D'un côté, on va aller voir que disent les données scientifiques réellement par rapport à l'enjeu discuté. Et deuxièmement, on va aller analyser, dans le fond, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe dans les milieux de pratique réellement. Alors, c'est vraiment ce qu'on a fait. Alors, je présente les résultats au niveau du risque de perte de pression, au niveau des données probantes. Alors, la première partie, c'était vraiment d'aller examiner qu'est-ce que disent les données scientifiques sur l'efficacité de l'échelle de Braden pour prévenir le risque de chute. Ils sont un peu de chute, de perte de pression, et pour diminuer donc l'incidence. Alors, évidemment, je sens rentrer dans les détails des études scientifiques, c'est pour vous dire quand même qu'il y a des méthodologies de niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et lorsqu'on arrive dans les méta-analyses, les revues des écrits, c'est sur le plan scientifique généralement, l'endroit où on peut avoir le plus de données consensuelles, parce qu'on regroupe des données d'essais cliniques, et ça donne davantage de poids aux résultats de recherche. Alors ici, moi, ce que je vous présente, c'est les résultats justement de méta-analyse qui concluent, dans le fond, que l'utilisation d'une échelle de risque de plaie de pression ne prévient pas les plaies de pression. Alors, je peux vous dire que quand j'ai lu ça, là, j'ai dit un peu, il y a quoi qui ne marche pas, là. On continue un peu à lire, OK? Alors là, on dit, le développement d'une perte de pression n'est pas mieux prédit par l'infirmière qui utilise une échelle de mesure versus celle qui utilise son jugement clinique. Alors là, j'avais des données qui disent, non, mais une échelle de mesure ou un jugement clinique arrive au même résultat sur le plan de prédire qui va développer une perte de pression ou pas. Et ici, vous avez les références. Et c'est tellement délicat parce qu'on le sent, il y a tellement d'organismes qui sont derrière ça. Alors, je vous présente juste comme ça ici, là. Ici, vous les voyez, là, ici. Il n'y a pas de diminution des plaies de pression avec l'utilisation de l'échelle de mesure. C'est les conclusions des méta-analyses de chercheurs indépendants qui se sont intéressés sur la question à examiner ça. Si on regarde une autre étude ici, qui est aussi une méta-analyse, qui est inscrite en haut. Alors, dans cette étude-là, ce qu'on démontre, c'est que, en fait, compléter des échelles de mesure pour tous les patients, si
si on met en application les interventions préventives suggérées par le score obtenu, OK, 80% des patients, on va leur faire des interventions qu'ils n'ont pas besoin. OK, ça, ça veut dire là, qu'on va travailler fort, puis qu'on le fait pour rien pour ces patients-là. Il y a 20% que ça vaut la peine, ça aussi qu'il faut entendre, mais il y a 80% qu'on le fait pour rien. Alors, je vous présente les études parce que ça frappe un peu compte tenu de... moi, le chef de Brandon, comme je vous dis, je suis en gériatrie, tout ça, puis je ne me suis jamais intéressé à ça, puis je sais que ça participe dans nos racines. Et là, je disais les résultats d'études, encore ici, où est-ce qu'ils ont comparé, eux, le jugement clinique infirmier avec des scores d'échelle et un jugement d'expert. Okay? Des experts regardaient la situation clinique et disaient, ça, c'est vraiment là... Tous les experts, ça, c'est un cas qui est à risque réellement de pression. Comparer le jugement clinique des infirmières versus le score de l'échelle, les infirmières performaient mieux. Ils ont dit non, ça ne se peut pas. Ils ont fait une replication study. On le voit refaire. Ils ont fait une autre étude. Même résultat. OK? Donc, sur le jugement clinique des infirmières et infirmiers. Encore une étude ici. Celle-là est encore plus dure comme conclusion. Je la mets là parce que c'est pour moi que je dis, c'est des chercheurs scientifiques qui ont publié dans le journal Clinical Nursing. Nurse may be wasting their time. Ça veut dire, est-ce que les infirmières ne sont pas en train de perdre leur temps? OK? À compléter systématiquement ça pour tous les patients. Alors, inutile de vous dire qu'on était plutôt sous le choc quand on a vu ça. Personne ne dit, la RNEO, elle appuie ça. Il faut bien comprendre aussi les lignes directrices. Dans le fond, il y a des recommandations qui sont appuyées avec des niveaux de preuves différents. Et là, ce qu'on regarde, dans le fond, la RNEO qui appuie effectivement l'utilisation d'une échelle de mesure, c'est de niveau 4, le niveau de preuve. Le niveau 4, c'est quoi? C'est basé sur des comités d'experts, sur des opinions d'experts. Et ça, c'est très bien d'avoir des opinions d'experts, des comités d'experts, quand tu n'as pas d'appui scientifique. Et si je n'ai pas de données probantes, il faut que je m'appuie sur quelque chose. Alors, ici, le niveau 4, comme vous voyez, c'est vraiment ce que je viens de vous dire, les opinions et le jugement des gens. Mais là, moi, je viens de vous montrer que depuis 2005, il y a des données scientifiques qui nous montrent que c'est plus, on peut plus juste, on ne peut pas ignorer tout ce que je viens de vous montrer là. Donc, on n'est plus avec ce même niveau de preuve-là. On verra la RNEO aussi ultérieurement. Dans une prochaine édition, on va modifier cette recommandation-là. Mais présentement, sur le plan scientifique, nous, on n'a pas... ma lecture à moi, c'est qu'il y a certainement sujet à débat ici parce que les résultats ne vont pas dans la direction attendue. Alors, au niveau des données cliniques, parce qu'on a dit, on regardait les données scientifiques. Là, on a fait, oups, OK, les données scientifiques, ça donne ça. Alors, nous, on a répertorié parmi les 3350 résidents de centres d'hébergement qui font partie de notre communauté de pratique, les relevés de pression, puis on a relevé 20 dossiers aléatoirement pour chacun des centres d'hébergement. Juste, ce n'est pas une étude scientifique, là, on a connu pratique, on se dit, on va analyser nos affaires, ben, où on s'en va. Donc. Alors, le premier élément qu'on était très surpris, c'est de dire, Caroline, la prévalence des taux de pression est donc immense. On est-tu si bon que ça? OK? Alors, c'est juste pour vous dire, il y a une étude américaine qui a été faite évaluée dans plus de 50 CHSLD, puis c'était 2,3 à 3,2%, donc pourcentage. Donc, on est dans les mêmes chiffres ici de pression dans le milieu de l'hébergement que ce qu'on a observé dans les études américaines. Alors, nous, on a évalué parmi les gens, est-ce qu'il y avait une corrélation entre le score de la chute de Brandon et ceux qui ont développé des plaies ou qui non. Et comme vous pouvez le voir, nos résultats sont non significatifs. Donc, parmi nos patients, l'échelle n'a pas réussi à prédire qui avait une pression ou pas. Alors, on a dit, ben là, peut-être que le fait de ne pas être correct, on va aller chercher vraiment aléatoirement 23 dossiers clairs de pression, on va regarder au moins parmi ces gens-là si le score de l'échelle suggérait clairement. T'sais? Parce que l'échelle a dit, je vais prédire qui va avoir une plaie. Mais si tu as une plaie, j'espère qu'elle prédit que tu as une plaie aussi. On s'entend? Donc, 73,9% étaient peu ou pas à risque du tout au niveau de l'échelle de Brandon. Ces gens-là avaient une plaie. Alors là, on
on était encore sous le choc un peu. Là, là j'ai dit, écoutez, je vais prendre mon réseau de contact. J'ai Machel qui est directrice scientifique à un centre à Montréal. Je sais qu'elle fait des études chez ses patients. J'ai dit, ouais, mais peux-tu faire l'analyse dans ton centre d'hébergement? Alors, elle fait les analyses pour les résidents qui sont habités. C'est aucune valeur prédictive. Pour les gens qui sont en bilan, elle trouve une variable qui est associée avec le développement, puis c'est le score ou le cisaillement de friction. Mais le score total n'est pas prédicteur non plus. Puis elle a vraiment détaillé, elle dit, il faut que je vais essayer de voir trouver dans les dimensions si je peux trouver quelque chose. Alors, comprenez que déterminer si, chez un patient s'il y a du cisaillement de friction, on est capable de voir de toute manière, voir une échelle de l'audit. Alors, ça parle tout de, encore là, de la notion d'une échelle versus le jugement clinique. Donc, la conclusion de cette partie-là de l'échelle de Brandon, pour nous, c'était de dire, écoutez, la pertinence d'utiliser cette échelle de risque n'a pas été démontrée cliniquement et scientifiquement suivant notre analyse. Alors, moi, personnellement, je me rallie probablement plus à cette dernière conclusion de même auteur de l'Angleterre. Peut-être bien qu'on perd notre temps un peu là. Et mon propos, ce n'est pas de dire qu'il faut mettre l'échelle de Brandon demain à la poubelle, là. Restez ici jusqu'à la fin. Je vais vous dire qu'est-ce que est mon propos par rapport à ça, mais on va aller faire un petit tour au niveau du risque de chute. Alors, au niveau du risque de chute, en fait, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a deux échelles qui sont validées et appuyées scientifiquement dans les méta-analyses, dans les revues, les écrits, etc. Et c'est l'échelle Stratify et l'échelle du risque de chute de Morse. Alors, c'est les deux échelles qui ont l'appui scientifique suffisant pour en faire la recommandation d'utilisation. Attention, on va continuer à lire le deuxième paragraphe. Toutefois, le risque de chute n'est pas mieux prédit par ces échelles validées que lorsque l'infirmière se base sur son jugement clinique. L'infirmière a même souvent un meilleur taux de prédiction. Et là, ce qui est un peu ironique, c'est que ceux qui viennent à la défense du jugement clinique infirmier, c'est des médecins ici, dans cette étude-là, dans le journal de gérontologie Medicine Science, eux, ils acceptent à peu près 10% des articles scientifiques qui sont soumis là. J'ai jamais réussi à publier là. C'est pour vous dire un peu l'envergure de cette revue-là. Pour une plan méthodologique, là, c'est pas un biais possible. Donc, si vous êtes capable de lire la conclusion qui est ici, dans la propre conclusion, c'est ce qui vient de signifier. C'est ce qui vient de signifier pour que le jugement clinique infirmier, d'utiliser les échelles versus le jugement clinique infirmier, nous, on ne pense pas que ça qualifie la capacité à prédire le risque de chute. Donc, une autre étude, toujours en 2008, AJ et Jane, dans cette étude-là, en fait, ce qu'ils ont démontré, c'est que higher accuracy, là, c'est que le niveau de précision des infirmières à déterminer qui va tomber et qui ne tombe pas est supérieur aux échelles de mesure. Alors, eux, ils ont encore comparé les risk assessment tools, le clinical judgment. Okay? Donc, c'était vraiment l'objet de leur étude. Un autre article, ce n'est pas tellement une étude, mais c'est fait le tour de la question, c'est vraiment enrichissant à lire là, cette étude-ci de Oliver. Et il en vient à dire, écoutez, je pense même que des fois, on peut entraîner des risques à utiliser l'échelle. Parce que si c'est introduit systématiquement, qu'il faut tout complète, qu'on ne met pas valorisation à côté du jugement clinique, il raconte différentes situations où est-ce que, dans le fond, les infirmières se sont fiés à un score et non sur le jugement clinique, puis il y a eu des accidents avec fracture et tout. Donc, il discute un peu de cette limitation au niveau de l'échelle. Donc, au niveau de l'utilisation des données probantes, au niveau des échelles de risque de chute, l'utilisation en centre d'hébergement, en plus, parce que là, nous, j'ai regardé la littérature scientifique en général, puis là, au niveau de l'hébergement, bien, il y a des auteurs qui disent, écoutez, là, en centre d'hébergement, au niveau de soins 3.5, ils sont là pour perte d'autonomie, sont tous à risque de chute. Pourquoi faire l'évaluation de ça? Et encore là, pour remercier la gériatre Dr. Close, qui est encore un médecin qui vient faire la part de défense ici du jugement clinique infirmier. OK, en disant, écoutez, évaluer le risque de chute chez le clientèle en hébergement, pas certain que c'est vraiment pertinent. L'autre étude va bien dire que ça peut nuire à la productivité parce que le temps qu'on consacre à faire ça, ben on ne consacre pas à répondre à d'autres soins, d'autres besoins de ces temps-là. Alors, encore là, pour être sûr que vous dites, écoute, est-ce que c'est son interprétation, là, est-ce qu'il est en guerre contre les échelles de mesure? Non. Comme vous savez, je connais le recherche radar que je fais sur une échelle de mesure, donc je ne suis vraiment pas contre ça. Mais
écoutez, là, c'est it's not needed, c'est pas nécessaire chez la clientèle dans l'hébergement de faire un risque de chute. Ça sort pas comme un interprète, compte tenu, ils sont tous à risque de chute. Donc, les données probantes, peut-être un mot sur les organismes criminatoires, parce que si, contrairement à l'échelle de Braden, où est-ce que, par exemple, au niveau de l'inspection professionnelle, on exige l'utilisation de l'échelle de Braden, agrément Canada également. Par contre, il faut savoir qu'au niveau du risque de chute, il y a des positions qui sont divergentes ici. Agrément Canada laisse un peu de flexibilité, n'oblige pas. Contrairement au niveau de, si vous avez vu l'inspection, il faut avoir une échelle de risque de chute. Au niveau des données cliniques, en fait, on n'est pas un organisme, une équipe de recherche avec 500 000 $ à faire de la recherche. On a une de nos collègues, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a demandé à ses infirmières, dites-moi qui est à risque de chute ici, et je vais comparer avec le score de l'échelle. Et sa conclusion avec les données, c'est qu'il n'y avait pas de valeur ajoutée. L'échelle n'arrive même pas à dire, oh, parce que elle n'avait pas vu qui était à risque, alors qu'il était à risque. Donc, l'échelle n'a pas permis, sur l'évaluation qu'on fait sur les unités, d'arriver à de telles conclusions. On a quand même moins approfondi cette dimension-là, compte tenu sur le plan scientifique, c'est aussi très, très fort sur le plan des limites. Et, alors ça, ce que je peux vous dire, c'est qu'en communauté de pratique, là, on est là tout autour de la table, les conseillères avec les conseillers, puis là, on se regarde, on dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça n'a pas de bon sens, ça va complètement dans le compte de ce qu'on entend depuis toujours. Alors, on était un peu près de cette patate chaude-là, mais en même temps, moi, je me disais à mes étudiants, quand on était sur le bac de la maîtrise, leadership clinique, analyse critique, pousse, va en avant, pousse de cette base. Préserve pas les pratiques traditionnelles qui sont pas appuyées. Puis moi, j'ai un étudiant qui est dans le projet, je ne peux pas dire, ben, on va continuer comme ça, OK? Fait que là, il faut qu'on continue à avancer face à ce constat-là. Alors, les premiers, la note d'analyse critique, un peu ici, que je vous ai amené sur un terrain, pourquoi on fait une échelle de mesure habituellement, OK? Une échelle de mesure, dans le fond, c'est, lorsqu'on va dire, écoutez, le jugement clinique, on est face à un phénomène tellement complexe, OK, qu'il y a tellement de variables à tenir compte, que c'est difficile d'avoir un bon jugement clinique. Il faut structurer, puis il faut amener un score pour nous aider à prendre une bonne décision. Parce que sinon, il y a trop de divergences. Ça, c'est une des raisons qui permet des chercheurs cliniciens à dire, hey, je vais faire une échelle de mesure pour soutenir le personnel infirmier. Bien, il faut se constater que pour ce qui est des échelles de risque de pression et le risque de chute, ils ne remplissent pas ce problème-là. Parce qu'en fait, ils n'ont pas réussi à démontrer avec les données données que c'était supérieur au jugement clinique d'utilisation d'échelle. L'autre élément qu'on va dire, moi, je vais faire une échelle de mesure, c'est de dire, écoutez, c'est bien trop long faire une bonne évaluation en bonne et due forme du risque de chute d'une personne, ça prend 1 heure et demie. Donc, je vais utiliser une échelle qui va me permettre en 5 minutes de prédire. Donc, une notion d'efficacité du temps qu'on veut gagner quand on fait une échelle de mesure. Alors, la réalité, ce qu'on entend de nos infirmières, quand ils disent, oui, mon jugement clinique, je sais bien qu'il est par risque, il est à risque. Notre collègue qui s'en va voir les infirmières, l'infirmière reste au poste, puis elle passe la liste, lui est à risque, lui est à risque, elle dit oui, non. Son jugement clinique, sa connaissance du patient fait qu'elle te dit comme ça, bien là, le gain de temps, il n'est pas apparent non plus. Là, parce que l'échelle de mesure, présentement, va prendre plus de temps que l'opinion de l'infirmière basée sur sa connaissance de ses patients. L'autre élément, c'est que c'est là qu'on veut simplifier le processus. OK? Et dans ce processus d'évaluation-là, c'est pas seulement rapide, mais c'est pour qu'il soit plus simple au niveau de l'évaluation. Le processus d'administration puis d'implantation des échelles de mesure, puis tous les conseillères qui doivent serrer la vis pour les mettre en application le savent, c'est pas aussi facile, puis c'est pas moins compliqué de mettre en place une échelle de mesure plutôt que de former ton personnel sur c'est quoi les risques de chute, comment faire l'évaluation ou encore en mettre les préparations. Donc, à ce niveau-là, la preuve n'est pas faite que ça permet d'avoir un processus moins compliqué à la lecture externe, en tout cas, des données, puisqu'on entend nous le communication. Et, durant le processus, quand on regardait la littérature scientifique, je suis tombé sur un test ici, et c'est pas un test, c'est une revue, c'est un article scientifique extraordinaire. Tout le monde devrait lire cet article-là.
En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on évalue plein de tests neuromusculaires, plein de tests physiques. Les tests prennent une minute, des fois ils prennent 30 secondes. Le test de Thalmo-Pingo, là, c'est 20 secondes et moins. Okay? Ils ont démontré qu'avec ces tests-là, il y avait des meilleures valeurs préditables de qui va faire une chute. Okay? Le test, là, c'est juste faire marcher sur 3 mètres ou 5 mètres une personne. Là. Tu chronomètres comment c'est important, avant d'arriver avec un score de 8,7 secondes, quand tu le fais, c'est bien. Si tu es en haut ou en bas, ça donne des résultats extraordinaires. Puis c'est accessible et c'est pas mal plus vite qu'une échelle de mesure. Tu es en train, pas de faire un estimé à prédire comment il va être. C'est en train de voir sa performance actuelle également. Donc, il y a d'autres options aussi qui sont disponibles dans la littérature, qui sont, elles, bien appuyées scientifiquement, puis qui s'inscriveraient parfaitement dans la pratique clinique des infirmières, puisque c'est un examen clinique en tant que tel. Autre questionnement important, oui, en fait, c'est ça, au fur et à mesure qu'on faisait la lecture, en fait, quand on regarde la clientèle, les échantillons, dans lesquelles les échelles ont été validées. Des fois, c'est dans les échantillons des années 80, des années 90. Moi, je me souviens, quand je faisais mes stages en soins de longue durée, c'était à peu près en 1992, comme infirmier, au foyer des Rimouski. Je marchais avec le monsieur à l'extérieur, il m'a demandé son auto. C'est pas les, si je donnais au centre d'hébergement d'aujourd'hui, qui est le même foyer, on l'appelle plus comme ça, c'est un CSS. Il n'y a plus personne qui a d'auto à porte, on s'entend. Mais ces échelles-là ont été validées avec cette population-là. Pas toutes les échelles, mais certaines échelles ont été validées comme ça. Certaines échelles n'ont pas été validées du tout au Québec ni au Canada. Donc, il y a toujours l'aspect ethnographique pour tenir compte. Ça ne veut pas dire que c'est toujours adéquat ou transférable automatiquement dans notre contexte de pratique. Alors, c'est toute l'importance de la place de la communauté scientifique dans la profession infirmière. J'encourage tout le monde à la maîtrise ou doctorat, etc. Parce que ça n'empêche pas qu'ils vont aller valider ça. Pour éviter qu'il y ait des glissements et qu'on arrive à faire des choses qui, au bout de l'année, quand on regarde les dernières années, on est très préoccupé. Donc, un autre élément pour lequel moi, je me suis beaucoup questionné, bien, nous, on s'est questionné dans la commune pratique, je voudrais que moi, ça m'a impressionné aussi, c'est, écoutez, est-ce que ces échelles-là s'intéressent aux problèmes cliniques les plus fréquents dans notre cas au niveau des centres d'hébergement? Alors, on a fait un petit exercice rapide juste pour relever les taux de dénutrition, délirium, dépression, douleur, troubles du comportement, données scientifiques. On sait que ça, c'est des données qui amènent beaucoup de détresse, de souffrance, des douleurs physiques et compagnie chez notre clientèle, mais pour lesquelles on n'a pas les mêmes mesures. Puis pourtant, il existe aussi des aspects de mesure qui sont parfaitement validés. PACSLAC, en plus, validé au Québec avec une équipe de chercheurs et tout, mais il n'est pas implanté. Alors là, je me dis, OK, on favorise certaines problématiques dont la prévalence est à 2,5% ou 3%, et des problématiques beaucoup plus élevées pour lesquelles on ne donne pas autant d'attention. Mais si on donne autant d'attention, vous comprenez qu'on va trouver qu'il y a 1, 2, 3, 5, 22, 23 échelles. On n'a pas fini non plus. Okay? Le modèle américain, c'est pour ça qu'on a développé le MDS2, qui est en niveau 3, qui est dans le fond une espèce d'instrument de mesure plus global qui va prendre un certain nombre de paramètres. Mais ils ont abandonné l'idée de dire on va prendre toutes les meilleures échelles validées pour chacun des problématiques parce que ça va faire beaucoup trop d'items en tant que tel. Donc, c'est juste pour vous dire que la réflexion d'avoir le jugement clinique, il faut l'avoir pour toutes les problématiques parce qu'il ne faut pas regarder juste la petite lorgnette. Puis là, je dis moi, je fais de la recherche sur le délirium, je veux que toutes les infirmières fassent un CAM, des infirmiers. Parce que moi, je tripe sur le délirium. Là. Donc, faire attention, il y a beaucoup de problématiques et il faut plutôt investir dans les compétences et les connaissances des infirmières, dans leur capacité de prendre les meilleures décisions. Le jugement clinique, c'est ça, hein, c'est les meilleures décisions pour la personne qui est dans un emploi, avec les variables qui sont présentes et dans l'environnement. Autre questionnement, les conséquences. Au niveau de l'image de la profession et la dévalorisation du jugement clinique d'infirmière. D'autres professions disent, ben ouais, mais elle complète, là, regarde, l'infirmière, là, elle complète juste une échelle. Là. On peut demander à l'infirmière auxiliaire de le faire. Là. Okay? C'est que là, on est en train de dire, attends, c'est quoi évaluation, est-ce que ça légale, est-ce que ça légale vraiment une échelle de mesure? On s'est connu que la réponse, c'est non. Mais là, ce qu'on mise en tête, c'est là-dessus que
c'est ce qu'on entend pour être évalué, on peut laisser cette image-là en tant que telle. Il faut faire attention autant à l'image que à la dévalorisation que ça peut apporter. Alors, encore là, pour d'autres, on s'est amusé un petit peu, j'ai fait différents scénarios pour bien mettre en évidence, dans le fond, qu'il est possible d'avoir une personne qui avait un score comme ça, OK, qui a 20 points, qui a une absence complète de risque, mais que, moi, si je regarde, c'est un monsieur qui a atteint une maladie de Parkinson, qui est diabétique, qui est dépressif, et particulièrement apathique par les temps qui courent. OK? Ça se peut qu'il se score pas, mais ça se peut que moi, je dis non, lui est à risque. Alors ça, c'est le jugement clinique en action. C'est que c'est pour qu'on valorise ça. Que l'infirmière dit, moi j'ai un score, mais là, moi je suis prêt plus vous. Vous le faites, là. C'est pour ça que j'entends beaucoup d'infirmières à tout arrêt qui me disent, il est où mon jugement, parce qu'on pratiquait beaucoup plus avec le jugement. Fait que là, c'est comme si pour structurer, mais pour trouver un juste équilibre. Parce que ça m'a pris 22 secondes de faire ce scénario-là. OK? Pas que je me fuse la tête. Pour l'échelle de stratifère de risque de chute, je peux répondre tout ce nom, mais j'ai une personne qui a une hypotension prostatique, qui a un trouble de rythme, puis lors de l'infirmière, il note que l'environnement est inadéquat de l'environnement. Donc, c'est une bête à risque de chute, mais j'ai pourtant un zéro. Là. Puis, c'est toutes des choses que vous savez déjà, là, mais il faut se les rappeler. Le jugement clinique, s'il va me dire non, un peu, je suis préoccupé, même si j'ai un score. Alors, il faut être conscient, puis il faut former davantage des gens à aller dans cette direction-là. Vous savez, ça, c'est l'échelle de risque de chute, l'échelle de Braden. J'ai parlé que la clientèle change, la population change, vieillit. Même des paramètres comme la fièvre, ça évolue. OK? Pour beaucoup de milieux cliniques, on fonctionne à 35 ou 38 pour parler d'une fièvre chez un patient âgé. Pourtant, les études scientifiques sont toutes là pour nous montrer qu'on est tellement dans le champ à 35, 38 ou 35. Okay? Et vous avez toutes les études ici, et non seulement c'est maintenant reconnu, mais même dans sa deuxième édition, pourtant moi je vois dans les milieux cliniques, semaine après semaine, qu'on reste avec des paramètres qui sont dépassés sur le plan scientifique. Okay? Et même les milieux vont dire, prends la température de façon systématique. En 1995, ça fait longtemps, ça, là, il était démontré qu'il est inutile de prendre la température de façon systématique. On détecte seulement 2% des fièvres comme ça. Et dans la même étude, il disait, lorsque l'infirmière, elle pense que le patient fait de la fièvre, autour d'un niveau de marge de manœuvre, c'est entre 75 et 85% que le patient fait de la fièvre. Parce qu'elle, elle voit bien qu'il est apathique, il est en retrait, il est affaibli, il est un trou chaud un peu. Prends ta température, au cours du temps, il fait de la fièvre. OK? Alors qu'on va demander de faire systématiquement prendre la température comme ça. OK, les données probables sont là. Quand on dit qu'on veut valoriser le jugement clinique, ce qu'on veut dire, en fait, c'est qu'on dit qu'on veut que les infirmières possèdent les données probables, mais comme c'est elles qui sont au chevet des patients, il faut qu'ils tiennent compte de qui est en avant d'eux autres. C'est ça le jugement clinique en action. Donc, ce n'est pas de l'intuition dont je vous parle là. C'est des connaissances à jour avec une personne animée auprès d'un patient qui prend les bonnes décisions. Donc, la communauté de pratique, on va dire, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut faire certaines recommandations. Nous, on est préoccupés sur une chose, on veut éviter la multiplication des échelles. Okay? On peut multiplier les connaissances et les compétences des infirmières. Ça, on est pour ça. Mais les échelles, on a plus un problème à ce niveau-là. Elles doivent être disponibles, nous en avons développé, mais on va faire la utilisation selon le jugement clinique de l'infirmière à l'infirmière. Elle peut l'utiliser, l'échelle de Braden, mais c'est quand elle dit, écoute, je t'embête, ça m'aiderait d'avoir un score, je vais aller compléter l'échelle de Braden. Je t'embête, es-tu à risque ou pas à risque de chute, ce patient-là? Je ne suis pas sûr. Je vais prendre une échelle de Braden, ça va contribuer à mon jugement clinique. C'est comme ça que c'est supposé fonctionner. Augmenter les compétences, exactement, permettre aux infirmières de décider, c'est ce que je viens de dire, finalement. L'autre élément, c'est qu'il faut avoir régulièrement des recommandations selon l'évolution des connaissances et des technologies. Parce qu'en fait,
ça évolue très rapidement. Alors, c'est difficile, vous savez, dans, si vous regardez un peu les lignes directrices qu'on va retrouver dans d'autres domaines, particulièrement médical, ils vont beaucoup miser sur, selon le jugement médical. On peut recommander ça à telle fréquence, mais selon le jugement du médecin, ils ne sont pas aussi prescriptifs. Parce qu'ils vont toujours laisser cette petite pomme-là de dire, son jugement clinique est très séance. Même pour des situations où on sait que c'est très minime, par exemple, chez une clientèle âgée avec démence, de prendre deux antipsychotiques, là, c'est rare. Là. Mais quand même, là, ça ne sera pas comme la cause. C'est jamais acceptable. Donc, ils vont quand même dire, il y a peut-être des circonstances, selon le jugement du médecin, que ça serait acceptable. Alors moi, j'adore cette vision de valoriser le jugement du clinicien sur le terrain qui prend cette dernière décision-là. Mais ce qui est important, c'est que ce clinicien-là doit être en mesure de justifier sa décision. Et ça vient avec une imputabilité. C'est pas parce que je le pense. Non, parce que je le pense parce que, avec telle justification, ils sont valables. Concernant les organismes régulateurs, et j'espère que vous avez compris notre démarche quand nous sommes de faire l'avancement de la profession infirmière, mais certainement pas de critiquer les organismes régulateurs qui font de leur mieux pour rendre un service à la société et assurer la protection publique. Mais face à ce qu'on a vu, nous, on recommande aux organismes régulateurs vraiment de rédiger des recommandations concernant les indicateurs de qualité à atteindre et non les moyens pour arriver. Parce que, mettons que dans 2 ans, puis l'échelle de Bradon, il y en a un autre qui est sorti. Puis elle est vraiment géniale. Puis elle a prédit de façon efficace. Que, premièrement, vous allez tout oublier ce que je vous ai dit ce matin. Parce que vous direz, elle est bonne, on peut l'utiliser. C'est bien correct. Mais aujourd'hui, quand je vous parle, elle n'existe pas, cette donnée-là. OK? Fait que c'est tout le temps comme ça, les données scientifiques. On avance avec la science, puis des fois, on a l'air brillant, puis 2 ans plus tard, on a dit, oh, bien, ça, je me suis démontré que ça va de l'autre côté avec tel résultat. C'est normal. Dans le processus, quand on travaille avec les examens de maîtrise et le doctorat, ce qu'on a beaucoup en face, c'est de dire « détache-toi personnellement de tes résultats. Ce sont pas à toi, c'est pas toi ça. C'est des résultats de recherche, mais tu n'as pas à les défendre. Ils sont là, tu as donné ça avec tes patients, dans 5 ans, ça va peut-être être autre chose. » Ça permet d'être plus critique, puis moins être à la défensive si quelqu'un me dit « Hey, Philippe, t'as dit ça, il y a 3 ans, puis tout, ben oui, t'as changé depuis ce temps-là. » Et puis ça, bien, j'étais à l'autre recherche, puis effectivement, au moment où on écrit ça, c'était bon, c'était la façon de faire. Si jamais on veut continuer avec des moyens, alors je pense qu'il faut engager un dialogue qui doit être plus structuré et permanent entre les chercheurs, les organismes régulateurs et les infirmières du milieu concerné. Parce que c'est les infirmiers et infirmières, c'est eux qui sont sur le terrain. Et la notion de faisabilité, c'est très important. Parce que dès le moment qu'on ajoute quelque chose, on enlève du temps aux patients. Fait qu'il faut que ça ait une valeur ajoutée de façon incommensurable. Parce que le temps aux patients, vous savez qu'on n'en a pas beaucoup. Alors, on ne peut pas lancer dans le cours des infirmières et infirmiers des tâches, des nouvelles choses, sans se questionner sur l'impact clinique. Alors, c'est pour ça qu'aussi les infirmières terrain doivent être mises en place. L'autre élément qui est important, c'est qu'il faudrait aller chercher toujours des données. Je vois que je n'ai peut-être pas écrit, mais aller chercher des données empiriques. Je peux vous dire, quand on a examiné la prévalence et surtout l'incidence des plaies, parce que les beaucoup de plaies qu'on avait, c'était des gens qui arrivaient au centre d'hébergement. Mais ceux qui en développent dans un centre d'hébergement, c'est vraiment faible. Fait qu'il faut se poser la question, ça vaut-tu la peine d'évaluer tous les résidents pour un problème qui touche moins de 2% de la clientèle? OK? Donc ça, c'est une réflexion qu'il faut avoir. Il faut s'attaquer aux choses payantes qui vont avoir des effets réels auprès de la clientèle. Ensuite de ça, c'est sur la faisabilité, c'est le deuxième point. Les chercheurs, c'est un message aux chercheurs en sciences infirmières, il ne faut pas rester dans notre université, il faut aller sur le terrain, il faut aller voir les cliniciens, il faut s'impliquer dans les différents dossiers, que ce soit au ministère ou encore au niveau de l'ordre. Ça fait partie de notre rayonnement. Il y a une des fonctions d'un professeur, hein, c'est enseignement, recherche et rayonnement. Rayonnement, c'est ça, c'est quoi, essayer d'avoir un impact dans notre profession. Concernant les infirmiers et infirmières, un message, gardez votre esprit critique. Ici, dans le fond, vous avez une situation où ma lecture à moi, c'est vraiment que les infirmières ont des préoccupations qui sont fondées par rapport à l'utilisation de ces échelles-là. Il faut exiger
exiger les données probantes, il ne faut pas avoir peur. Et quand on a des conseillères ou des conseillers qui disent non, c'est parce qu'il faut faire ça, faut pas se faire peur. Vous n'êtes pas des employés, vous êtes des professionnels de la santé qui exigent des hauts standards de soins. Donc, il faut tout le temps s'assurer qu'on a des réponses à nos questions et on va les chercher. Puis dans notre profession, il faut permettre ces débats-là, permettre qu'on remette en question les pratiques qui sont recommandées. C'est simple pour une profession, c'est ça qui va faire qu'elle va avancer. Donc, tout ça, ça raccroche avec, oui, je valorise énormément le jugement clinique, mais pour en avoir un bon, ça prend deux piliers. Ça prend le pilier des connaissances, ça prend le pilier de l'expérience clinique. Si je suis rendu à mon 32e livre sur les soins à l'année, ben, je n'ai jamais vu un patient dans les 10 dernières années, je ne pourrais jamais être compétent. Je vais être connaissant de quelque chose, mais il ne faudra pas gratter trop creux. Hein, parce que ce ne sera pas long que je vais manquer de contenu. Puis, de l'autre côté, si l'expérience, ben, si pendant 30 ans, ben, en fait, je ne me suis pas actualisé, je n'ai pas avancé, puis je fonctionne encore avec un 38,5 comme piège généré. Puis dans les études, si ça vous tente d'aller les voir, vous allez voir qu'à 37,3, c'est une étude qui a été faite, puis il y avait 95% des patients âgés à 37,3 qui étaient mis dans l'hôpital, qui ont trouvé une cause à son infection, à sa fièvre, c'est-à-dire, parce qu'il y a des postes de cancer aussi. Donc, pour être compétent, il faut vraiment travailler ces deux fois. L'expérience, il faut voir notre clientèle, il faut développer nos connaissances. Puis au bout, on va être compétent, on va avoir un jugement clinique. C'est ça qui est le meilleur rempart à la sécurité des soins et à la qualité des soins. Alors, en actualisant les connaissances aussi, ça va faire que les infirmières vont avoir un impact dans les milieux. Ça va être plus visuel ce qu'elles font. Parce qu'actuellement, ce qu'on entend dans le réseau, il y a des endroits où on enlève des infirmières de nuit, parce qu'ils disent, écoute, on met une infirmière résidente, c'est pareil. OK? Ben c'est sûr que si l'infirmière qui est là ne joue pas son rôle qu'elle doit jouer, c'est tout à ça le détriment qu'on apporte dans notre profession. Donc, il faut tout le temps, c'est pas vrai que dans un centre d'hébergement, il y a tout le temps des gens qui sont en soins palliatifs, puis ça donne que de nuit, ils ont aussi de l'accompagnement à avoir. Nous, on a fait une étude de nuit, c'est 7 à 8 événements par 100 résidents qui arrivent. Il y en a un qui tombe, il y en a un qui a des nausées, il y en a un qui a des diarrhées, il y en a un qui a de douleur, il y en a un qui s'est mis en train de l'errance. On l'a évalué, on l'a vu. Dans le but des infirmiers et infirmières-là, c'est pas comprendre l'apport de cette profession-là. Mais en même temps, nous, quand on travaille dans nous, il faut démontrer cet apport-là, puis il faut faire la différence. Si on décide de donner juste un PRM antipsychotique à 2h du matin pour un évalué pas, c'est sûr que l'infirmière va dire, ben, moi, je suis capable de le faire. Moi aussi, donner le PRM. Parce qu'il n'y a aucun geste d'évaluation qui va avoir été fait. Tous nos gestes, tout ce qu'on fait, parle sur le plan de nos compétences. Alors, en conclusion, la pratique doit poser ces données probantes et être adaptée aux contraintes de la réalité. Ce n'est pas parce que c'est bon sur le plan scientifique que ça peut se faire. Donc, il faut tout le temps faire un bon arrimage à ce niveau-là. Les lignes directrices, elles doivent s'adapter aux différents milieux cliniques. L'imposition ou rendre les pratiques cliniques obligatoires, à mon point de vue, ça va à l'encontre de l'autonomie professionnelle des infirmières. Ça réduit la possibilité d'individualiser les soins. Le temps est limité, hein, faut-il le rappeler. Alors, le jugement clinique des infirmières va être valorisé et développé par la formation continue, évidemment la formation.